Allez-y, j'enregistre. Ouais. Cole, allez-y, j'enregistre. Concentre-toi, Jody. Dis-moi si tu ressens quelque chose de spécial au contact de l'un de ces objets. Ça marche. Je vais te dire ça. Merci papa, c'est vraiment super joli. Ouvre-la. Cadeau à sa fille. Jody, tout va bien? Oui, oui, je vais bien. Tu as vu quelque chose? J'ai vu une petite fille. C'était sa boîte à musique. Nora. Bon, oui. Toujours les petits loups. Nathan. J'espère que vous kiffez toujours autant. Parce que moi, je prends toujours autant de plaisir. Attends. Un certain Ryan Clayton est là pour te parler. Il dit que t'es au courant. La Ryan. Ouais, j'espère que ça vous plaît toujours autant, je disais, parce que bah, moi je m'éclate toujours autant. J'adore vraiment ce petit jeu film là. Toujours autant de plaisir et j'avance que d'un chapitre à la fois parce que j'ai envie de prendre le temps. Donc, je sais toujours pas comment ça se termine. Hein. Je vais découvrir très peu de temps avant vous. Je sais pas si je vous avais expliqué tout à chaque fois. Je redis pour ceux qui viennent d'arriver, hein, on déplace. Dans la direction du point blanc pour les actions. Et sinon, dans les scènes de combat et d'action, c'est toujours au moment des ralentis. À chaque fois qu'il y a un ralenti, il faut diriger le R2, le R2, dans le bon sens, tout simplement, hein, dans la direction qu'il faut pour contrer ou attaquer ou y baisser, etc. Donc voilà, je le redis parce qu'on ne voit pas toujours les commandes au menu, bien sûr, à l'affichage, parce que j'ai pris en normal, pas en facile. Donc on m'a posé la question, donc voilà. Tiens, je peux lui poser une question à lui. Je vais aller écouter ce qu'il se dit. Donc ouais, voilà, j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir. En tout cas, moi, je m'éclate dans ce petit jeu. Écoutez, j'ai jamais trouvé le bon moment pour lui dire. J'ai besoin d'un peu de temps. Non. Professeur Dawkins, je dois l'emmener aujourd'hui. J'ai des ordres. Mais enfin, ce n'est encore qu'une offre. C'est l'embauche à la CIA. Je crois bien. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que tu connais le gars qui est venu voir Nathan? Pas du tout. Il en a pour longtemps? Du calme, princesse, il sera là dans une minute. J'ai la dalle, moi. Je commence à mourir de faim. Quand est-ce qu'on fait une pause? Ouais, moi aussi, j'ai faim. Faudrait qu'on fasse sortir Nathan pour une fois. Jody, tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe, Nathan? Tout va bien? Jody, voici Ryan Clayton de la CIA. L'agence a demandé à ce que tu rejoignes le programme de l'école militaire à Camp Perry. Ryan prendra soin de toi à partir de maintenant. Tu dois partir avec lui, Jody. Maintenant, là? Aujourd'hui. Non. Le verser un peu? Non, tu dois les empêcher de m'emmener. Il faut que tu leur dises. Ils t'écouteront, c'est sûr. Jody, ils se fichent pas mal de mon opinion. Tes parents leur ont donné l'autorisation de t'emmener. Je ne peux rien faire du tout.
Je suis plus une gamine. Je suis assez grande pour décider toute seule maintenant. Rien ne m'oblige à y aller. Je dis, écoute. Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu comprennes. C'est une belle opportunité pour toi. La foutre, moi, de l'opportunité. Oh, alors c'est comme ça? Tu sais ce qui est mieux pour moi et je suis juste censée fermer ma gueule et obéir aux ordres. C'est pas vrai. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ta putain de crise d'adolescence. D'accord? Alors tu peux pleurnicher. Tu vas parler meilleur, toi. Tu vas la fermer et faire ce que je te dis. Je te dis. Non. Fais bien gaffe à ce que tu dis. Tout de suite. Je dis. Je t'en prie. Fais ça pour moi. Je vais chercher mes affaires. Prends juste l'essentiel. On a tout ce qu'il faut à Campéry. Bon. Chier, mais bon. Un sac, deux, trois affaires. Ah, mon doudou. Je prends mon doudou. Ah, petit dessin que j'avais fait quand j'étais petit. Allez, j'emmène. Cassos. Je suis sûr que ça va aller. Merde. Tu vas drôlement me manquer, tu sais, princesse. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu le sais, pas vrai? T'inquiète. Je serai toujours là pour toi.
dois y aller. Toi, t'es lourd, toi. C'est Ryan. Ryan! Je me demandais si t'avais eu mon email. Quel email? Celui que je t'ai envoyé il y a 3 jours. Ah, écrasé. J'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur. Il disait quoi cet email? Je t'invitais à aller au restaurant ce soir. De toute façon, c'est trop tard. Mais une autre fois? Merde, je suis désolée, je... Ça va, s'entendent bien tous les deux. Mais pourquoi est-ce que tu viendrais pas dîner ici ce soir? Oh, Johnny. Tu voulais voir mon appartement et tout ça, alors... Ok, mais... On se dit vers 20h? D'accord, j'apporte une super bouteille de vin. À tout à l'heure. Bon, bah, active-toi, alors. Qu'est-ce qu'il y a, Aiden? Je comprends mieux pourquoi t'as explosé l'ordi. Tu voulais pas que je voie Ryan. Enfoiré. Jaloux, Aiden? Ça ne te regarde pas, je te signale. Je fais ce que je veux. Pas remarque. Pas plus que ça. Non, fais chier. Fais chier. J'ai pas envie que ça recommence. Je suis pas à toi, Aiden. Je peux avoir une relation avec qui je veux, tu entends? C'est ma vie. Aiden, est-ce que tu peux comprendre ça? Je fais ce que je veux de ma vie. Tu sais quoi? Moi, je trouve que Ryan est super. Hein? Il est charmant, il est intelligent, il est drôle. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il est 19h. J'ai 1 heure pour faire le dîner, tout ranger et me faire belle. Ok, bon, faire le dîner. Je sais. Je dois trouver une recette réalisable en 1 heure avec ce qu'il y a dans le frigo. Alors. Pas l'asiatique. Ça a l'air bon et c'est pas trop compliqué. Poulet au curry et légumes au four. Ça va prendre du temps avec le four, mais ça paraît faisable. Des pizzas tout de suite. Ah, ça prend pas longtemps. Bon, c'est pas très raffiné, mais pas de préparation, pas de stress, ouais. C'est une bonne idée. Bœuf à l'asiatique, ça vous dit? Ça me dit, moi. Ouais. Bah pour le bœuf, après tout, c'est un peu exotique et... Tant que je fais pas n'importe quoi. Allez. Frigo. Qu'est-ce qu'il faut? Des légumes. Du viande. Nickel. Merci. Attention quand même. Merci, Aiden.
réunion. Ça se passe plutôt bien. Oui. Ah, ta bourrée, t'es trop petite. D'huile, normal. Voilà. Gingembre, sel, poivre. Ben, un petit peu de sel, normal. Sinon, c'est pas bon. Non, gingembre, tiens. Gingembre. Ouais. Ouais. Bonne soirée. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Bon, c'est pas dans la recette, mais... Allez, sincèrement, au point où j'en suis... Allez, un peu de saké pour le goût. Pas peur. Je crois que je commence à aimer la cuisine. Ryan, tu vas adorer ça. Ça marche. Voilà. Tu sais, tu perds ton temps, Aiden. Tu m'empêcheras pas de voir Ryan. Tu fais chier un peu, Aiden. Merde! Merde, il est déjà là! Voilà, j'arrive! Une connerie, ça. C'est une connerie, ça. Oh, je repose. Du coup, c'est Aiden qui fait chier. Ok, les livres. Dans la Bible. Nickel. Dans la Bible, nickel. Bible, nickel. C'est romantique. Oh, tu fais chier, Aiden. Ah. Ouais, c'est très drôle, Aiden. Vas-y, recommence. Je te casse en vite. Waouh, c'est très romantique. Pas trop l'habitude des rendez-vous galants. Faut que j'aille me préparer aussi. Manger mon petit bordel. Bon, la poubelle est dans la cuisine.
Ok. Aussi un peu. Une petite manette de jeu. Ok, le linge sale dans le panier de la salle de bain. Bordélique un peu, toi. Ok, voilà. Bon, est-ce qu'on prend une douche? Normal, un bain, une douche. Ben, j'ai pas le temps pour prendre. Une petite douche. Ben, vous regardez pas. Tournez-vous. Tournez-vous. On met de l'eau? Ouais, on met de l'eau. C'est prendre sa douche quand même. Ça fait du bien une petite douche, hein. Bon, je dis rien, je vous laisse regarder, oh là là. You leave your head on. Qui veut lui frotter le dos? C'est moi. Ils sont beaux les plans cam. Et voilà, t'es prête pour ce soir. Ah, you don't need him. Tu n'as pas besoin de lui, tu m'as moi. D'accord. T'arrives pas à comprendre. Il fait ça jalouse. Bon, ça. Peut-être aller s'habiller. Alors, qu'est-ce que je vais me mettre? Élégante, sexy, cool. Élégante? Oh, salut Ryan. Oh, ça te plaît? Classique, élégante, mystérieuse. Ouais. Très classe. C'est la nouvelle moi et... ça prouve que je m'adapte à toutes les situations. Hayden, t'es vraiment qu'un con. Bon, Hayden, tu ferais mieux de laisser tomber. Ok? Ce rendez-vous aura lieu. J'ai... d'accord ou pas, c'est comme ça. Ouh, la jolie robe. Oh putain. Putain, Hayden, arrête de faire des conneries! Entends. C'est pareil. Romantique, c'est quoi? Ouais. Bon, ça en est où la kitchen? Tout va bien, nickel. Bon, écoute, si ça se passe, quelle heure il est? 7h30. 8h30. Oh là, mais il est à la bourre. Ah non, il avait dit 8h15, 8h30.
petit check-up vite fait là. Ah bah je vais l'attendre. Ah. Ah non, c'est sexy quand même. Hein. C'est élégant et sexy. Pure soirée en perspective, hein, les enfants. Ah, super la box. Hein. Vas-y, ça pue. Bon, on va mettre quelque chose de qui bouge plus là quand même. Romantique, c'était pas plus mal. Hein. Ah, c'est pas la même. Une autre. Ah, sympa ça. On danse. Bon, on devrait pas tarder à se pointer. C'est quoi ? De l'alcool ? Encore un petit coup ? Non ? Allez, ça suffit. On va pas abuser. Bonsoir. Aiden, tiens-toi tranquille. C'est important pour moi et je compte. Fais pas chier. Hey. Château Margaux 2001. D'après le vendeur, c'est une très bonne année. Ça a l'air super, ouais. Ok. Ok. Oh, assieds-toi. Je vais chercher le... le truc pour ouvrir le vin. On dit un tire-bouchon, mademoiselle. Aiden, tu fais chier. Hein? Ouais. Sympa. Ouais, merci. Aiden, c'est pas vrai. Va pas me pourrir la soirée, Aiden. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Moi, j'ai envie qu'on passe une bonne soirée. Merci. À ton nouvel appart. Allez, tiens, tiens. À mon nouvel appart. Alors, t'as emménagé quand? C'est moi qui contrôle Aiden. Ouais, c'est l'agence qui l'a trouvé pour moi, le blé et tout ça. C'est... Est-ce que je fais mon jaloux ou... C'est le premier appartement que j'ai pour moi toute seule. C'est bizarre. Faut que je m'habitue.
J'habite juste à la sortie de la ville. C'est petit. Je les emmerde un peu ou pas? C'est calme. Et tu as grandi ici ou... Non. Oui, c'est moi. Vous en foutez, hein. Comment t'as fini par intégrer la CIA? C'est rien. C'est juste Aiden qui nous embête. Ignore-le, c'est rien. Je devrais peut-être, tu sais, aller surveiller le dîner parce que... Faire la cuisine, c'est un tout nouveau monde pour moi. Tu veux de l'aide? Non, mais va t'asseoir et tu peux nous resservir tant qu'il y est. Ok. Aiden, tu vas te faire engueuler. Oui. Ah, du bœuf à l'asiatique, hein? Oui. Oh, j'ai passé un an en Asie, j'adore leur cuisine. Oh, bah, te réjouis surtout pas trop vite, hein. Que c'est la deuxième fois que je cuisine et... Je préfère pas repenser à la première fois. T'avais fait de la merde, Johnny? T'es bon, hein? T'es bon. Bien, je suis contente que ça te plaise. On se connaît depuis combien de temps maintenant? Bon, je les embête un peu ou pas? Je sais rien sur toi. Eh ben, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. T'arrêtes de draguer. J'ai grandi avec mes parents sur le campus de la DPA et ensuite Nathan s'est occupé de moi. Ça jette un froid. Un courant d'air. Et tes parents, est-ce que tu les vois? Non. Non, enfin je... Ah non, bah je vais pas péter la bouteille quand même. J'étais terrifiée de voir... Ça pourrait être dangereux. Alors, Nathan et Cole, c'est eux qui m'ont élevée en fait. Ils m'ont appris à supporter Aiden. Et puis à m'accepter telle que je suis. Ça va, ça reste correct. Ça a pas toujours été facile, mais... Enfin... Je fais des progrès. Dis-moi, est-ce que Nathan a réussi à t'expliquer l'origine de ce lien avec Aiden? Non. Pas vraiment, non. Enfin, ils ont appris plein de choses au sujet de l'inframonde. Mais... pas grand-chose sur Aiden. Enfin, je sais même pas si lui-même sait ce qu'il est. On peut faire les obsédés. En fait, voilà, c'est un décor. Il est là en ce moment. Oh, sexy. C'est pas bien ça. C'est pour voir si le jeu est bien fait. On va vérifier si le jeu est bien fait. Ah, c'est pas mal fait du tout, hein. Et toi alors, tu as de la famille? Ça laisse non. Ça laisse non, perplexe. Toujours dans l'Oregon. Trouvez pas? Je dévoile moins souvent possible. Je vais peut-être censurer. Oh. Cette vidéo t'a plu? Alors regarde celle de nos autres partenaires avec Official NGP Killer 59, Test Killer 85, The Just Zombie, Toolion 37 et la Zombie Factory. Nous représentons la C2C, la communauté de chaîne, et nous n'avons qu'un seul mot d'ordre, Respect Online. À bientôt!